compte tenu de leur victoire. Il faut juste assurer lors de ce match retour. C'est parti. L'ambiance est superbe. Le stade est vraiment multicolore. On devrait bien s'éclater. Il tente. Juste à côté du montant droit. Même si le tir n'est pas cadré, c'est pas grave. L'important, c'est de s'installer dans le cas adverse d'entrée de match et de les obliger à défendre. Cambiasso, Ibrahimovic, Cambiasso, Ibrahimovic, dégagement des points, corner. Ballon brossé vers le but. Est-ce qu'il peut frapper? Et ce sera un nouveau corner. C'est un très long ballon. Ibrahimovic. Et but. Oh non, c'est dedans. Oh, quel départ catastrophique! Notre gardien avait à peine mis les gants qu'il a déjà encaissé un but. Il te faut vraiment un bon positionnement, une bonne concentration, un bon timing pour marquer des buts comme ça. Écoutez la réaction du public. Les supporters sont super déçus et ils le font savoir. Ils ont pris de l'avance, 1-0. Malgré l'avance, je connais l'entraîneur, il va être vraiment mécontent de ses joueurs. Parce que lui, c'est un puriste. Hein. On sait qu'il n'a jamais concédé un but, à quel que soit le score. Long dégagement en avant. Ils peuvent construire quelque chose. Belle interception. Nouvelle occasion de centrer. C'est trop trop. C'est une belle frappe, mais le gardien l'a bien saisi. Maxwell. Javier Zanetti. Ils ont de l'avance et la possession du ballon. Il ne peut pas leur arriver grand-chose. Encore une belle occasion. C'est un mauvais dégagement. Oh, c'est trop bon, il peut marquer. Vira. Une autre chance. Le ballon passe au-dessus. Et ce joueur-là, si tu le laisses 2 cm, il dégaine plus vite que son ombre. Il tire dans tous les coins. Il donne le ballon au portier. Vira. Bon retournement de situation, il a le ballon. C'est presque gagné. Des claquettes comme ça, on en redemande. Et c'est dedans. C'est peut-être le but décisif car l'avantage est conséquent. Dans la surface, ce genre de joueur se jette sur tous les ballons comme un mort de faim. C'est un renard des surfaces. Quelle ambiance!
ce but a vraiment fait disjoncter tout le stade, c'est impressionnant. Il y a donc égalité un partout. C'est le why dans la défense adverse avec tous ces buts d'écart. Ils peuvent se permettre de faire tourner l'effectif maintenant. Vieira. C'est chaud pour le gardien. Juste à gauche du poteau. Et là, le gardien, il est en train de bouger ses défenseurs. Il a raison. Hein. Si on lui laisse de l'espace, il va frapper tout le long du match. S'est produit un déclic dans la tête de ce joueur, tout lui réussit. À 2-1, l'avance est mince. Ah, ça, c'est un vrai festival de but. Hein. On peut dire que c'est le feu d'artifice. Ils ont écrasé complètement la défense adverse. Ils sont capables de marquer maintenant à chaque attaque. Il est temps que l'arbitre arrête la rencontre. Le joueur frappe. Attention en défense, ça va aller très vite. Il a plusieurs solutions. Il tire. Bien joué. Une nouvelle fois bien joué. Ça tourne vraiment à la démonstration aujourd'hui. Et ça, c'est une frappe sensationnelle pour un joueur sensationnel avec des talents sensationnels. Il y a deux buts d'écart maintenant. Ah, ça, c'est un vrai festival de buts. Hein. On peut dire que c'est le feu d'artifice. Ils ont écrasé complètement la défense adverse. Ah, ils sont capables de marquer maintenant à chaque attaque. Il est temps que l'arbitre arrête la rencontre. Vieira, juste au-dessus de la barre. C'est dommage. Il avait le temps de faire le bon geste. Mais c'est peut-être ça qu'il a fait déjouer. Il avait plusieurs solutions et je crois qu'il a choisi la mauvaise. Vieira. 15 minutes se sont écoulées. Ibrahimovic. Beaucoup trop dévissé à droite. Ah, je pense que c'est un peu précipité. Il avait le temps de tout faire. Ouais, c'est vrai que d'en haut, nous, on a le temps de voir les choses. Thank you.
On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. Tranquille pour le gardien. Javier Zanetti. Maxwell. Cambiasso. Ils repartent de l'avant, c'est la seule solution pour espérer que cette rencontre ne soit pas encore terminée. Il est dans la surface, face au gardien. Quelle frappe! C'est vraiment loin d'être cadré et c'est le moins que l'on puisse dire. À mon avis, sur ce coup-là, il va y avoir explication entre le gardien et les défenseurs. Si tu laisses jouer un joueur comme ça et tu le laisses frapper, heureusement qu'il n'a pas cadré. Ibrahimovic. Vieira. Ballon dévissé, il doit encore s'appliquer. À mon avis, il a senti un défenseur venir derrière lui, c'est pour ça qu'il s'est précipité sur le tir. Partir en contre, c'est toujours payant. Ça manque de précision. Bonne action, le ballon est récupéré. Pour Cambiasso. Encore une occasion de centrer. Il doit tromper le gardien. Tire du droit, mais il en faut plus pour battre le gardien. Il est dans la surface, face au gardien. Oh là 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 là, quelle démonstration, c'est encore au fond du filet, c'est bien. Il a qu'un renard de surface pour marquer un but pareil. Il a senti le coup avant les défenseurs et il a marqué le but comme il fallait et c'est ficelle. Franchement, ce n'est pas étonnant. Il est menaçant depuis quelques minutes. Ce doublé est vraiment mérité. L'avance est plus que confortable, 3 buts, ça devrait largement suffire. Ah ça c'est un vrai festival de buts. Hein. On peut dire que c'est le feu d'artifice, ils ont écrasé quand. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est normal. Ça manque un petit peu de créativité devant, autant frapper de loin. Cambiasso. Ibrahimovic. Faute indiscutable, coup franc normal. Javier Zanetti. Nouvelle occasion de centrer. Il est tout près des buts. Le gardien a fait le ménage. La balle est toujours pour eux. Cambiasso.
Maxwell. Belle combinaison. Il va pouvoir marquer. Vieira. Tire du droit, mais il en faut plus pour battre le gardien. Nous avons presque atteint les 30 minutes de jeu. Il a mis le pied sur le ballon. Pressing super efficace. Ils reprennent le ballon. Ibrahimovic. Il a dû manquer de concentration, c'est hors du cadre. Ah, c'était bien fait, il a tout enchaîné comme il fallait, il a frappé, il a simplement manqué le cadre. C'était à prévoir. Ibrahimovic. Ibrahimovic, c'est un nouveau corner. Et c'est le premier remplacement de la partie pour cette équipe. Pas étonnant qu'il soit remplacé. À mon avis, il était loin d'être en forme. Je ne pense pas qu'il soit très content de son match aujourd'hui. Incroyable, le gardien n'a rien pu faire. C'est tout simplement magnifique. Et vous avez vu ce superbe but avec le coup de taureau qu'il a. À chaque fois qu'il met un coup de tête, ça fait ficelle. L'avance est encore significative. Même s'ils ont concédé ce but, je pense que ça ne va pas trop les inquiéter quand même. Je pense qu'on a senti que pendant 45 minutes, ils ont complètement dépassé l'adversaire. Et à mon avis, ils n'ont pas trop de soucis à se faire pour la suite de la rencontre. Bon ballon. Va-t-il frapper ? Ibrahimovic, le gardien a remis de l'ordre. Perte du ballon, attention. Quelle belle occasion. Le portier récupère le ballon. Bon retournement de situation, il a le ballon. Ibrahimovic. Quelle panique dans cette défense. Attention, c'est dangereux. Il lui faut de l'espace. N'oubliez pas de jouer le ballon, coup franc. L'entraîneur apporte quelques améliorations. Bon pressing, le joueur récupère le ballon. Ibrahimovic, c'est encore hors du cadre, il faut s'appliquer. Et si la défense lui laisse de l'espace comme ça toute la rencontre, à mon avis, il va pouvoir tirer au but pendant 90 minutes. L'entraîneur veut sûrement appliquer une nouvelle tactique. Ibrahimovic.
Erreur défensive, ils vont peut-être en profiter. Il tente. Le couloir, c'est souvent la bonne solution. Ballon renvoyé en arrière. Quel cafouillage, le ballon est récupéré. Superbe défense ici. Ibrahimovic. Oui, très bien joué. Quel beau but. Le gardien n'a rien pu faire. C'est du délire dans le stade. Et avant même de recevoir le ballon, il savait où il allait le mettre avec son pied droit. Aujourd'hui, c'est son jour. Pas de doute, un doublé magnifique et le match n'est pas fini. Franchement, on est gâté. Il y a des buts dans tous les sens. Il faudra attendre, mais oui, c'est trop fusible. Bon, qui va le tirer? La balle est sortie, Simon. Tir de si loin. Non, c'est loin du but. Et là, la défense, elle était quand même un petit peu endormie sur le coup. Il en laissait décocher son tir, il en laissait un petit peu faire. C'est dommage qu'il n'ait pas mieux cadré quand même. Cinq minutes restent à jouer avant la pause et un but seulement sépare les deux équipes. Le ballon circule bien, il y a de bonnes combinaisons. Tout ça, c'est bien joli, mais il faut tout de suite marquer. Chez vous. Bien joué ici. Que va-t-il faire? Bel arrêt du gardien sur ce tir à la terre. Bien. C'est malin. Allez, il y est presque. Il veut marquer. Le ballon a été dévié par le défenseur. Bataille pour le ballon dans la surface de réparation. Oh, il y a un bon coup à jouer. Belle combinaison. Il a plusieurs solutions. Le ballon est repoussé des points par le gardien. Corner. Il joue au premier poteau. Il vise la cible. C'est une énorme occasion. Encore une belle occasion. Il va prendre sa chance. Tir à ras de terre, capté par le gardien. Le duel est remporté, c'est bien. Encore une occasion de centrer. Il tente. Le ballon est intercepté. Il veut marquer. Il n'est pas avec cette frappe qu'il va effrayer le gardien. Et pour marquer un but dans un angle fermé comme ça, il faut être un magicien.
Une seule minute d'arrêt de jeu. Coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. Plus le match avancé, plus c'est devenu facile. Je vais descendre à la mi-temps pour voir un petit peu ce qui se passe dans les vestiaires. Deuxième mi-temps et nous voilà repartis pour 45 minutes de football. Un petit coup d'œil sur la composition des équipes. L'équipe mène et visiblement l'entraîneur n'a fait aucun changement. C'est pas cadré sur la passe à gauche. Ah ouais, là il y a le gardien qui est en train de remettre un petit peu en place ses défenseurs. Il laisse trop jouer, donc il y a des frappes qui arrivent trop souvent en ce moment. C'est chaud pour le gardien. C'est trop loin du poteau gauche. Oh, c'est terrible. Il avait fait le plus difficile et il a manqué le plus facile. Joli duel, le ballon est gagné. Quelle contre-attaque, ça peut être dangereux. Nouvelle occasion de centrer. Action dangereuse, il peut marquer. Le goal a dégagé le ballon, corner. Corner au premier poteau. Une défense intraitable, superbe. Frappe de loin. Encore une occasion de centrer. Il a dégagé. Bonne action, le ballon est récupéré. Ibrahimovic. La passe a été interceptée. Il va pouvoir marquer. Ibrahimovic. Et une nouvelle fois. But. Oh, c'est vraiment un joueur de grande classe. Et les défenseurs n'ont pas fini de le découvrir. Ça, c'est le but typique de l'attaquant. Efficacité et sens du but. Ah, il est de la race des snipers. Trois buts. Quelle journée pour cet attaquant. Franchement, il sait tout faire. Les buteurs des deux camps sont à l'affiche et on pourrait en voir d'autres. Et chez les supporters, on sent déjà que c'est la fête. Hein. On a déjà sorti les cotillons, les merguez, ils sont sûrs de la victoire. Hein. Là, il ne faut pas qu'ils rigolent trop d'avance. Hein. Si ça encaisse encore un autre, on ne sait jamais. Ils reprennent le ballon. Ibrahimovic. Oh, il y a un bon coup à jouer. C'est pas mal sur le plan défensif. Le dernier face à face. Il l'a touché des points, mais ne l'a pas capté vraiment. Corner.
poteau. Et... dégagé par le défenseur. Il reprend le ballon maintenant. Bien joué. Ils peuvent construire quelque chose. Bien joué, l'attaque ne donnera rien. Ils ont toujours la possession du ballon, super. Nouvelle occasion de centrer. Que va faire le gardien? Quelle frappe! Long dégagement en avant. Ils peuvent construire quelque chose. Bien joué. Il frappe de toutes ses forces. Face à face avec le gardien. On appelle ça l'esprit d'équipe. Première intervention du gardien et le défenseur qui dégage. Ibrahimovic qui a réussi un hat-trick aujourd'hui. Nouvelle occasion de centrer. Il s'infiltre dans la surface adverse. La frappe est décochée. Le gardien remet de l'ordre. Oh, ce ballon va remonter très vite. Le dernier face à face. Il décoche un tir. Il lâche une frappe. C'est vraiment trop loin du cadre. Et malgré son Biafala, il a quand même raté le cadre de peu. L'attaque est stoppée, ça donnera rien. Bon travail et bonne possession du ballon. Ils n'ont toujours pas perdu le ballon. Il a mis le pied sur le ballon. Et Vieira. Eh bien, le défenseur a le ballon maintenant. Oh, que ça va partir vite. Face à face avec le gardien. C'est une frappe. Bien joué. Une nouvelle fois bien joué. Ça tourne vraiment à la démonstration aujourd'hui. Et dès qu'il a le ballon, il est impressionnant. Il part en travers, en long, en large, sur les côtés. À la fin, il marque le but. Et c'est la vraie démonstration. C'est son hat-trick. 3 buts au cours du même match. Bravo, à mon avis, il peut garder le ballon. Je ne les donne pas encore battus, ils peuvent égaliser. Là, je crois qu'on peut dire que les carottes sont presque cuites. Ça leur donne une avance quand même assez insurmontable. On sent vraiment que cette équipe a de la dynamique et que ça va être insurmontable pour l'équipe adverse. Ce n'est pas très spectaculaire, mais les puristes apprécieront. Le ballon circule bien et franchement, ils auront du mal à le prendre. Ibrahimovic. Bien vu. Encore une belle occasion. Il lui faut de l'espace. Une belle occasion. C'est une super occasion. Oh là 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 là, quelle démonstration. C'est encore au fond du filet, c'est bien.
Brown a vraiment senti que le ballon lui avait échappé de nez. Oh, il a mis les gardes de vaisselle de sa femme. C'est pas possible, il a offert un cadeau à mort à l'adversaire. C'est un doublé et franchement, il n'y a rien à dire car il fait tout le boulot aujourd'hui. Materazzi. Vira. Encore une occasion de centrer. Frappe directe. L'arbitre accorde un corner. C'est un ballon fouetté vers le but. Encore une occasion de but gâché. On est parti pour un drôle de contre. Voilà un joli coup de tête. Va-t-il trouver la bonne trajectoire? Il a effleuré le poteau gauche. Je ne sais pas si c'est une erreur technique, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais en général, ce genre de face-à-face, le buteur, il marque à tous les coups. Vira. Materazzi. La balle change de propriétaire. Elle est énorme cette occasion. Le ballon est détourné. Corner. Premier poteau. Il ne trouve pas le moyen de percer cette défense. Vira. Ibrahimovic. Attention, le ballon a été perdu. Oui, très bien joué. Quel beau but. Le gardien n'a rien pu faire. C'est du délire dans le stade. Et c'est vrai qu'il a qu'un seul pied, mais quand il s'insère, c'est toujours pour marquer. Voyons si nous allons constater un effet sur le terrain. Que ça va partir vite. Il s'infiltre dans la surface adverse. Vira. Qu'est-ce qu'il peut faire? Et le goal le laisse tomber. Le gardien a dévié la balle, corner.
corner au premier poteau. C'est beaucoup trop physique, coup franc. Cette attaque ne donnera rien. Au second, il me semble bien mené. Il est rentré dans la surface. Aïe, 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 c'est un véritable déluge de but. Hein. Vous avez vu, Christian, il n'a que le but de long qui te permet d'éliminer plusieurs joueurs. Et en réussissant celui-là, il a surpris l'adversaire, ses coéquipiers et le gardien avant de marquer ce but. Y a-t-il un moyen de l'arrêter? 4 buts, ce joueur est exceptionnel. Les défenseurs sont perdus. Nous sommes presque dans le dernier quart d'heure. Ils peuvent construire quelque chose. Allez, il y est presque. Bien défendu. Va-t-il y avoir but? C'est un bon travail défensif. Bonne défense. Nouvelle occasion de centrer. C'est pas bien joué, la passe est ratée. Quelle belle occasion! Nous avons atteint les 15 dernières minutes de la rencontre. Ce ballon frôle la transversale. En général, quand on a des occasions comme ça, il vaut mieux les mettre au fond. Hein, parce qu'après, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Nous entrons dans le dernier quart d'heure. Construire quelque chose. Aïe aïe aïe, la défense prend l'eau, les défenseurs ne savent plus. Le tir est passé tout près du poteau gauche. Et à force de faire des grilles au lieu de tirer, à mon avis l'entraîneur il va commencer à la rappeler sur le banc. Pas souvent le ballon, mais toutes les occasions sont bonnes à jouer. Non, c'est pas bien, c'est un coup franc. L'arbitre va sortir un carton jaune, c'est justifié. Et le joueur a de la chance, car il pouvait sortir un rouge. Ça ne va pas être facile d'ici. Allez, ça doit aller au fond. Viera. Ouais, il s'écroule dans la surface, elle est grossière cette faute. C'est un pénalty. Oh, mais il y a bien plus grave. Ce joueur a déjà été sanctionné, il l'est à nouveau. Deuxième carton jaune, il doit donc quitter le terrain. Expulsion. C'est un duel intéressant, il peut prendre le large au classement des buteurs. Oh là 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 là. Quel but! Oui, Christian, c'est le seul joueur qui est sûr d'être titulaire à tous les matchs. Car chaque fois qu'il y a un pénalty, il en marque. Un trick, c'était déjà merveilleux. Mais alors, 4 buts, c'est vraiment le Pérou. Nouvelle occasion de centrer.
Va-t-il la mettre au fond des filets? C'était trop évident. Un ballon repassé en arrière. Bien joué ici. Quelle belle occasion! Très belle intervention! Le ballon a été touché par un défenseur, corner. Non loin du premier poteau, voici un nouveau corner. Ballon brossé vers le but. C'est pas fini, ça peut revenir. Le gardien a le jeu en main. Autre tête. Encore une belle occasion. C'est le défenseur qui a le dernier mot. Ça, c'est vraiment du bon boulot. Viera. Bien joué de la part des attaquants. C'est du bon boulot. Il y a presque une petite touche d'arrogance. C'est vraiment loin d'être cadré et c'est le moins que l'on puisse dire. À mon avis, sur ce coup-là, il va y avoir explication entre le gardien et les défenseurs. Si tu laisses jouer un joueur comme ça et tu le laisses frapper, heureusement qu'il n'a pas cadré. Oh, ce ballon va remonter très vite. Vira. Ibrahimovic. Vira. Vira. Directement dans les gants du portier. Être dangereux donc coup franc. La tension est incroyable à 5 minutes de la fin du match avec un seul but d'écart seulement. Il va tenter sa chance. Le portier détourne le corner. Il joue au premier poteau. Superbe tête. Aucune difficulté pour le goal. Bien joué ici. Ibrahimovic. Qui a marqué 4 fois. C'est l'homme du match. Le ballon est pour l'autre équipe. Ibrahimovic. Bonne interception. On peut relancer. Oh, il y a un bon coup à jouer. Mais où est la défense? Il décoche un tir. Ça va peut-être rentrer. C'est extrêmement décevant. C'est dommage, il avait le temps. Mais c'est la différence entre les grands et les petits joueurs, malheureusement. Le grand, il a le temps de regarder. Lui, il a trop enchaîné. Il a voulu aller trop vite. Nous allons voir si les calculs de l'entraîneur sont justes. C'est trop confus, l'attaquant peut faire mal. Très bonne maîtrise défensive. Vira. Il doit tromper le gardien. Ils peuvent construire quelque chose. Il y a du but dans l'air. Facile pour la défense. Ils ont pris le bon chemin, le ballon tourne bien, il faut encore gagner quelques secondes.
La frappe est décochée. But! Mais incroyable, c'est une véritable piquette à laquelle on assiste. L'attaque ne donnera rien. Il est dans la surface, face au gardien. L'arbitre assistant annonce une minute de temps additionnel. Il ne se précipite pas, c'est presque un jeu à l'italienne. Le ballon circule. Nouvelle occasion de centrer. Voilà, là, une occasion en or. But! Quelle rencontre de folie! On assiste à une cascade de buts. Dans ce face-à-face, il a attendu le dernier moment que le gardien se jette pour mettre le ballon là où il voulait. Il nous a régalé. Trois buts! Quelle journée pour cet attaquant! Franchement, il sait tout faire. La cause semble désespérée, plus personne n'y croit. La remontée sera vraiment difficile. Il est dans la surface, grâce au gardien. Quelle frappe! But! C'est au fond du filet. L'arbitre valide ce but. Et ce joueur est toujours très adroit devant les cages. Et avant même de recevoir le ballon, il savait où il allait le mettre avec son pied droit. Il a osé. Oh oui, en plein dans le mille une nouvelle fois. Oh, mettez-vous deux secondes à la place du gardien. À mon avis, il en a ras-le-bol. Ainsi maintenant, les milieux de terrain se mettent à marquer des buts. On va bientôt les appeler les attaquants. Y a-t-il un moyen de l'arrêter? 4 buts, ce joueur est exceptionnel. Les défenseurs sont perdus. C'est terminé. Monsieur l'arbitre siffle, il faut rentrer au vestiaire sur ce score-là. Regardez la joie du public. C'est vraiment une belle communion avec les joueurs. Ils savent qu'ils sont quêtes.